particularité, c'est qu'elle chante, mais en plus, elle est traductrice. Elle possède 5 langues. Et là, elle a choisi de nous interpréter une chanson qui a remporté le premier prix de l'Eurovision en 1964, une chanson qui a pour titre « Non dans l'état » et qui a été interprétée par Giulia Cinquetti, je connais mes classiques. Je vais vous demander d'applaudir très très fort, Tania! Bravo Bruno, bravo, bella ragazza, ma on applaudit encore ta vie.